Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2015 et on est sur le Tour de France toujours avec on a 10 km du sprint intermédiaire. Là, on va essayer de partir, d'aller chercher des points. Faut être premier, hein, là faut être sixième parce que on n'ira jamais au bout avec Nasser Bonnet. Hein. Avec son 63 en pavé, on n'ira pas très loin. Et on vise toujours, hein, on veut garder notre. On veut garder, pourquoi pas, notre maillot blanc, ce qui va être très dur, hein, parce que. Il y a. Vu que j'ai la version normale, il va y avoir Degen Kolb. Ah non, il est même pas dans le moins de 25 ans. Bah, j'ai rien dit. Mais il y a Peter Sagan, peut-être, ou. Un gars comme ça qui va peut-être pouvoir. Creuser l'écart dans les pavés. Là. Oh mince, on a à 1,4 km, j'avais pas vu. Je vais demander à Christophe Laporte aussi pour prendre une masse de points. Ouais, non, ça servira à rien. Nouveau sprint de la Sarbonne quand même. Voilà. Slighting Gaming en plus 4, c'est très très bien. Et Florian Sénéchal en plus 2. Hein. Slighting Gaming. Oh, Bissim aussi en plus 4, assez bon. Putain, hier, à l'étape d'avant, on avait des mauvaises notes et là on se tape des bonnes notes. C'est plutôt bien. Surtout que sur l'étape des pavés, c'est là où je veux pas perdre de temps. Donc du coup, nous, ça nous fait pour le moment. C'est provisoire. C'est virtuel. Hein. Nicolas Hédé, on va chercher des bidons, 1-3. Ok. Parce que là, ça nous fait un 64 pour l'instant, c'est bien, c'est bien. Faudrait qu'on reste comme ça. Et là, Florian Sénéchal, ça nous fait un 78. Bon, faudrait que ça monte, par contre, Florian Sénéchal. Je pense que ça va baisser avec Florian Sénéchal, mais bon. Là, on va accélérer jusqu'au pavé, et après, on le fera sûrement en vitesse réelle. Hein. Je suis quand même content de ce que j'ai fait l'étape d'avant. C'était pas mal, ça va. Donc là on y est bientôt arrivé. Il y avait un groupe de 5 hommes à l'échapper. Dans l'échappée quand même. Et ça n'est pas allé au bout. Pas de grand. Il y avait deux pavés. Deux mecs assez bons pavés, mais c'est tout. On va demander genre un Adrien Petit protéger Slighting Gaming. Je sais pas si on doit prendre un Adrien Petit ou. Mince. Ou un Geoffrey Soup, pourquoi pas, c'est. Ça serait peut-être plus raisonnable. Merde. C'est haut. Voilà. Donc là du coup on est bientôt arrivé au premier secteur pavé. Avec Florian Sénéchal, on va se placer devant. Là, on n'a pas de coéquipier, par contre. Et ça part de coéquipier à Bissim et Slighting, ils ont plus 5, c'est énorme. Ah, putain. Et sur les étapes de montagne, on va se taper des merdes. Florian Sénéchal, ça lui fait 1,79. C'est très bien. 79, ça me convient très très bien. On va peut-être pas prendre 3 minutes 17 à Contador, quoique... On va demander de se placer. Est-ce qu'on va pouvoir au niveau de Nibali? Alors, on se place devant. Si j'arrive à me placer, putain. C'est vrai que je sais Kittel qui est devant. T'as la galère, Kittel. Hop, Nibali, est-ce qu'il veut? Degen Kolb, allez, on se passe au niveau de Degen Kolb. Peut-être perdre de l'énergie, mais c'est pas grave. Là, on va demander à un petit de protéger Slighting Gaming. Slighting Gaming, après.
On va demander à Geoffrey Soupe de pourquoi pas protéger Bissim. Et Florian Sénéchal, bah qui va se débrouiller tout seul. Hein. Parce que sinon on est comme Alinette. La sœur, Christophe Laporte. Ah oui, on va faire un autre truc, on va faire Christophe Laporte. Christophe Laporte protège Sliding Gaming. Et Adrien Petit qui protège Florian Sénéchal. Comme ça, voilà. Oh là là, et chute de mon leader. Oh, chute de mon leader. Donc, et ça commence à relayer direct. Hein. Nicolas Hidet aussi. C'est Christophe Laporte qui est censé l'attendre. Heureusement qu'on a un croire comme ça. On va faire Christophe Laporte. On va faire. Désolé, c'est mon cher. Hein. Sliding Gaming, il arrivera pas à revenir. Hein. Nicolas Hidet là qui se relève, qui gêne le passage. Regarde ça, fait ralentir tout le monde et Peter Chagan. Peter Chagan, je crois qu'il y a une crevaison. Là, ça roule très très fort. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'FP. Est-ce que Christophe Laporte va nous attendre? Ah, il nous attend, il peut pas faire mieux. Allez, 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 allez. Christophe Laporte là. Descends, descends, Christophe Laporte. Là, c'est une très mauvaise journée. On avait un plus 5, c'était destiné à être une bonne étape. Mais bon, là, ça va être très très dur. On va... Là, on a... là, on perd peut-être le Tour de France sous vos yeux. Je sais pas. Là, en plus, on a du mal à en regarder. Même quitte à l'arrivée à faire mieux. Christophe Laporte, allez. Hein. Là, c'est le secteur pavé. Hein. Il n'y a que de ça, là. Je regarde même pas devant, c'est peut-être un peu bête. Non, c'est bon, devant tout se passe bien, ça roule plus. C'est normal, il y a peut-être leur leader qui va chuter. Comme on va faire cela, protège Lighting. Non, ça. Allez, Christophe Laporte là. Christophe Laporte qui va peut-être donner plutôt un relais. Je sais pas si on demande à Christophe Laporte de prendre un relais. On va plutôt relayer. Hein. On prend pas de risque. Allez, hein. Là c'est vraiment dommage. Je suis vraiment dégoûté. Parce que là il va pas avoir le temps de bien de se reposer. Et nous je sais pas si on peut attaquer peut-être avec Geoffrey Soupe. Avec Florian Sénéchal et justement profiter de cette chute. Alors, avec Florian Sénéchal. Là, c'est John Degenkolb, je pense. Hein. Et oui, John Degenkolb qu'on profite, hein, normal. Et là, on va demander à Bizim Babouan de rester bien en contact. Là, ça va peut-être changer de leader. Et Nasser Bonny aussi. Hein. Nasser Bonny, pourquoi pas quand même faire un truc. Et là, Florian Sénéchal, là. Il dit voilà, allez, 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 allez. Revenir sur ce qu'on a creusé l'écart. On va peut-être faire ça. Hop, on va faire ça. Ça, et là on va faire ça. Allez, et là on va donner vraiment un gros relais. Et du coup, est-ce qu'il revient, notre leader? Il est dans le peloton. Et là, on va lui demander de relayer. Hein. On lui demande de relayer. Heureusement qu'on avait en plus ça, parce que... Là, on part et on est très très bien parti quand même. On rattrape... On va peut-être pas rattraper quand même John Degenkolb. Mais pourquoi pas faire un petit truc hein, quand même. Hop, allez. Et on va se mettre en 4. En 86 peut-être. Allez, hein. Là on y va, on y va. Hein. On a très très bien joué. Hein. Je trouve que j'ai très très bien joué Sliding Gaming. Qui est sûrement en train de revenir. Ah c'est très dur. Hein. Daniel Navarro. Babouan qui tient bien. Et Nasser Bonny qui est toujours dans le groupe. Hein. Ça peut être bien pour le sprint. Allez, hop.
Adrien Petit qui a plus grand chose à donner. On va sûrement demander à. Allez, là on donne le relais. On donne le relais. Là, ouais, là ça va être dur. On va pas y aller. Je pense qu'on va pas y aller chercher cette victoire. Mais au moins, on aura tenté. Allez, non, c'est Florian Sénéchal là qui va donner un gros tempo. On va le mettre 86 jusqu'à la fin, si on peut. Ça serait pas mal. Alors là, on va finir sur les genoux. Ouais, je pense pas qu'on va réussir à rester au contact. Là, il y a Geoffrey Sou. Bismillah. Par contre, on va demander à Geoffrey Sou. Pourquoi pas, peut-être. On va peut-être faire ça. Hein. Attaquer là pour pas qu'il reste dans le trou, on le marque. Là, on rattrape bien, on a réussi à creuser, à bien revenir. J'aurais peut-être pas dû attaquer, mais bon, c'est pas grave. Là, on a du mal à revenir et on va pas revenir. 3 km là, ça va être trop tard. Ça va jouer au sprint et je pense qu'on va pas. Que le sprint on va pas le gagner malheureusement. Là, il y a Slighting Gaming qui souffle, j'avais pas vu. C'est une journée folle aujourd'hui. Alors on va lui demander de rester au contact de ce groupe. Il n'y a aucun favori. Mais bon. Là, on va demander à Nasser Bouani. Qui va aller faire le sprint. Ah oui, du coup je fais pas le sprint avec Florian Sénéchal. On va le faire, on va quand même le faire. Allez, Florian Sénéchal, Van Mark, je pense qu'il sera peut-être le plus fort. Il est parti un peu avant, mais bon, c'est pas grave, on va quand même réussir. Peut-être. Bravo à John Degelkob, on a quand même réussi à revenir. Allez. Et là, on fait une fringale. Parfait. Donc une deuxième place, j'espérais gagner, c'est mieux que rien. Je sais pas si devant ça va sprinter. Si ça sprint. Allez, nous on veut des points. On y va. Hein. Hop. Genre ils font le sprint, c'est normal. Voilà. Le maillot vert, je sais pas qui c'était. C'était Greppel, nous on va arriver et on arrive. On perd du temps, mais c'est pas grave. C'était une étape assez bizarre aujourd'hui. C'était. Ouais, je sais pas. On a eu beaucoup de chutes. On a eu 2 chutes. On a quand même bien. Ils ont pas roulé parce que je pense qu'il y avait leur leader. Logique. C'était bizarre, vraiment c'était bizarre. On a bien réussi à gérer avec toute notre équipe, je trouve. Bizumba, bon, on l'a pas fait sprinter pour qu'il soit bien. Oui, on est 4e au classement général avec Florian Sénéchal qui va endosser le maillot blanc. Si c'est juste. Slating Gaming qui est quand même toujours 8e alors qu'il a une minute de retard sur les autres. Donc bon, on aurait pu mieux s'en sortir. Ah, on perd vraiment du temps, ça c'est dommage. Mais bon. Alors, Nasser Bouani, Montagne. Bah, c'est toujours Bizumba. En point, on est 3e avec Nasser Bouani et Greppel et André Jordan et John Egan Club qui est premier. C'est bizarre. On a du mal. Hein. Nasser Bouani hein. Au classement général. Bah, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Vu que j'ai créé les croires. Donc c'est Florian Sénéchal. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur la 5e étape.
Allez, à plus. Dites-les bien.